On est où là, Jacob? Là, on est où? On est à. Tu sais où? Terre-Terre. Je sais pas le nom. Château, mais avez... Châtelet. Tu vois ou pas? On va le dire, voilà. Bon, c'est quoi aujourd'hui? Dis-nous. Très simple. On va demander aux filles une partie 3 de la vidéo, du coup, tu vas se dire. Voilà. Où en gros, on demande aux filles c'est quoi le type d'homme physiquement et intérieurement parlant qu'elles préfèrent. Voilà. C'est parti. Salut, comment tu vas? Ça va. Ça va bien, vraiment? Comment tu vas? Salut, ça va super. T'as l'air un peu être étonné là, tu fais des gros yeux comme ça là. Oh. Ouais, parce que tu m'as intercepté trop vite. Ah, trop vite, d'accord. Bon, on va aller doucement alors. Hein. Ok. Quel est ton type d'homme physiquement parlant? Je sais pas, c'est au feeling. Quoi? Au feeling. Ok, et si je dis que c'est un mec qui fait 1m50 et avec qui t'as non, bon feeling? Même un peu grand. Ok, ouais. Alors s'il te plaît, je répète ma question. Quel est ton type d'homme physiquement parlant, s'il te plaît? Ouais, brun, musclé, mais vraiment pas trop. Dessiné, genre abdos et tout, mais pas genre trop ouais, bodybuilder et tout. Pas stock. D'accord, ok. Que ça soit confortable, genre pour les câlins, les trucs, les machines. D'accord, que ça soit okay. Un peu doudouille. Les cheveux pas trop longs. Pas trop longs. Long pour toi, c'est jusqu'à où? Jusqu'à là? Non, ah, c'est ouais. Trop long pour moi. Long. Ouais, enfin. Okay, d'accord, okay. Y a pas de monde. Genre long comme le monsieur derrière là. Pas trop long comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, d'accord. Okay. C'est bien. Ok. Qu'on puisse passer dedans, mais sans s'en mêler les doigts. Passer dedans carrément. Et B, passer dedans. Hein. C'est ça. C'est pas ce que tu vas faire passer, mais bon. Voilà. Et du coup, à part ça, au niveau du regard, visage et tout. J'aime les regards doux. Ah, doux, d'accord. Okay. Et ironique. Ironique. Ouais. Okay, j'aime pas les regards durs. Ah, ouais, t'aimes pas. Ouais, c'est tout de suite, c'est rebutant. Comme top. Ça, quoi, t'aimes pas comme ça, hein. Non, ça c'est un peu ironique encore, tu vois, c'est vraiment les regards froids, limite un peu violents, tu vois, le regard... Voilà. Non, ça, juste, ça te donne juste envie de... Ok. Alors ça dépend, enfin physiquement, je suis plus sur les... Je sais pas, ça dépend en vrai, je sais pas si de l'arrêter. Ça dépend de quoi? Bah du feeling, quand si je m'entends bien avec la personne ou pas. Ok, mais imaginons que je te dis, si t'as mon feeling avec un homme qui fait... 1m60 qui est blond par exemple. Est-ce, non, est-ce déjà que... faut qu'il soit plus grand que moi. Ok, alors. Déjà. Alors, en gros, tu peux répondre à la question. Quel est ton type d'homme physiquement du coup? Parce que là, tu dis grand, donc c'est déjà un point. Hein. Oui, il faut qu'il soit plus grand que moi. Ok, merci. Bah, qu'il ait un certain style, enfin. Ah, ok, un style vestimentaire que tu as pris, qui met, ok. Et quoi d'autre? Mais après. Le regard, la couleur des yeux peut-être? Non, les yeux, n'importe. Ça... Brun, blond, non? Tu veux... Plus brun quand même. Ok. Est-ce qu'il doit avoir une certaine origine? Non, pas forcément. Ça marche. Okay. Dis-moi, c'est quoi ton goût en matière d'homme physiquement parlant? Que le physique? Dis-moi un petit peu. Arabe ou plutôt arabe? Ouais. Ou renois, peut-être? Ouais. Plutôt musclé, pas musclé, plutôt comment? Normal, qui est sportif, qui fait le sport. Ok, un sportif, quelle taille? Grand? Normal. Toi, tout est normal pour toi? Physiquement parlant, bah, les bruns plus. Brun, ok. Grand? Okay. Après, un grand, pas, j'ai pas forcément de... Musclé, pas musclé... Normal, enfin ça je m'en... Un beau gars... Bah, tant qu'il me plaît, ben, genre je veux dire... Que physiquement, je dirais grand, brun, ouais. Avec des yeux clairs, ouais. Ah, ouais, des yeux clairs, genre ouais. Bleu plutôt, bleu. Bleu ou vert, ouais. Mmh. Ouais. Et pourquoi brun? Et pas blond ou roux? Je sais pas, c'est style. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Et toi du coup? Moi tout sauf blond. Et ben... La taille compte pas vraiment. Ok. Et quelle taille tu parles? Je sais pas, ma taille, un peu plus grand que moi. Ok, d'accord, ok. Ouais, à peu près. Ça dépend ce que t'as pas en dessous de moi, quoi. En fait. D'accord, ça marche. Ouais. Elle a pas compris, hein, mais c'est pas grave. Comme ça, t'en as pas. J'en ai pas. Ok, alors imaginons que tu dis, ouais, tu sors avec un mec, un blond, un brun, qui fait 1m60 et avec qui t'as un bon feeling. Est-ce que tu acceptes? Non. Voilà, du coup. Tu as forcément un type physiquement, non? Un grand. Non, pas physiquement, mais grande taille. Ouais, mais le. Enfin, s'il est grand, là on parle du physique. Donc physiquement, tu peux faire les grands. Physiquement, pour être de grande taille. Voilà. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Bah rien, il y a tout au feeling. Tout au feeling, toi, pour toi? Genre, juste grand, mais le reste, c'est feeling. Ouais. Pas de brun, ni blond, yeux clairs, hein? Origine, peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout, genre, n'importe quelle origine. N'importe quelle origine. Très très bien, ça, ok. Physiquement. Quelles sont ces questions? Ça se trouve, c'est une grosse carotte en fait, ce que je suis en train de vivre là, non? C'est plutôt une salade. Ouais, c'est plus une salade, ouais. Bon, une salade composée alors. Ouais, composée pas mal, hein? Ouais, ouais. Bien composée. Alors, du coup, c'est quoi ton goût? Du coup, en matière d'homme physiquement, pardon, physiquement. Il n'y a pas de. Enfin, d'homme en particulier, c'est une question de personnalité. Oui, mais physiquement parlant. Imagine que t'es dans une boîte de nuit ou allez, tu vas allez, si tu veux une idée un voilà. Peu comme ça, voilà, on va dire un grand brun. Ah, brun ténébreux, c'est ça? Non, pas ténébreux. C'est trop cliché ça. Genre brun normal quoi, brun c'est brun bon. Normal, on va dire si j'avais un idéal, je préfère les bruns que les blonds quoi.
D'accord, ok. Et grand, tu m'as dit aussi grand. Ouais, grand. Bah, je suis pas petite alors. Ouais, quand même, voilà, ok, d'accord. Tu vois. D'accord, brun, grand. C'est tout. C'est barbe tout. Et tout, regard. Oh, j'ai pas. Là, le regard, les mains. Ah, les mains. Je suis fétichiste des mains. Ah, fétichiste des mains, ouais. D'accord, ok. J'aime bien un mec qui a des belles mains. Des belles mains. Et des grandes mains ou pas? Ça m'est égal. Ok, d'accord. Pas des mains de nains non plus. Bah, oui, voilà, ok. Ah, fétichiste des mains. Bah, c'est important pour moi, c'est l'hygiène de la personne, tu vois. Les fétichistes, ok. Quel est mon type d'homme? J'aime bien les mecs assez grands. Assez grands, ok. Ouais, un peu musclé mais pas trop, assez sec. Assez sec, mais pas trop musclé. Hein. Ok, pas trop musclé, mais assez sec. Ouais, assez sec. Ok. Sinon, j'ai pas trop de type bien défini. Et niveau origine, est-ce que t'as une origine précise ou est-ce que tu t'en fous? Je m'en fous un peu, okay. Ouais. Ah oui, et brun, blond Plutôt brun. Ça marche. Ouais. Après, je sais pas. Tatoué. Tatoué, ok. Ouais. Est-ce qu'il a une origine particulière ou pas? Non. Non. Ok. Musclé. Et genre musclé beaucoup ou genre un petit peu ou comment? Ça va. Ça va, ok, d'accord. Okay. Et niveau de barbe et tout? Ouais. Ok, et le regard? Ouais. Un regard plutôt comment? Dis-nous un petit peu. Un regard doux, un regard un peu... Charmeur, on va dire. L'homme qui fait le sport, c'est l'homme normal. D'accord, mais il peut faire du sport et il n'est pas très grand, tu vois. Et toi, est-ce que la taille, c'est important pour toi, physiquement, toujours? Physiquement? Ouais, la taille. C'est grand. Ouais, grand. Bah, j'ai pas vraiment de préférence. Ouais. C'est vraiment tout dans l'attitude de la personne, le feeling. L'attitude? Ouais, comment ça se passe. Après, sinon, j'aime bien les mecs un peu barbus, tout ça. Ah, les hipsters, quoi. Après, j'aime pas les mecs musclés. Ah! Sinon... T'aimes les hommes plutôt minces, alors? Fin, quoi? Pas maigre, mais ouais, j'aime pas... Enfin, j'aime vraiment pas les mecs baraques, quoi. Okay. Un peu musclé, ça va, un peu musclé. Oui, ça va. Okay. Ça va, je dis pas non. Mais voilà. Et ensuite? Sinon, je sais pas. Après, genre brun. Peu importe, tant qu'il est pas roux, ça va. les roux sont blessés, les roux. Ah, mais hein. C'est pas grave. Ah, les roux, et pourquoi les roux, t'aimes pas les roux? Non, mais en vrai, c'était une blague. Mais... Ah, c'est une blague, ok. Non, ah. En vrai, si le mec. En vrai, franchement, moi, le physique, ça. C'est secondaire, quoi. Ouais. Secondaire, okay. C'est pas important. Ouais. Grand? Ok. Okay. De quelle origine si c'est important pour toi? Important ou pas? Ouais. Arabe, ok. Ok. N'importe où dans le Maghreb et autres? Non, arabe, c'est tout. Ouais, charmant, ok. Et grand ou pas? Faut que ça grand? Ouais. Faut que ça grand, d'accord. Okay. Donc toi, c'est Renoir et Rebeu. Donc tout ce qui est Babtou, Asiat, toi, t'aimes pas trop? Non. Ok. Non, ouais, c'est tout. J'aime beaucoup la douceur et l'humour. L'humour, très important. L'humour et la compassion. D'accord, ok. Sinon, on va dire que brun, blond. Ça, je m'en fous. Je t'en fous, ok. Ouais. L'origine, ouais. Je t'en fous aussi un petit peu. Je m'en fous. Ok, d'abord. Non, intérieurement, tu veux qu'il soit comment? Qu'est-ce que t'aimerais? Un mec drôle, genre j'aime bien rigoler, que ça des bons délires et tout. Quoi d'autre? Oui, pardon, est-ce que tu as une origine particulière en fait? On revient au physique? Non. Ok. Maintenant, on revient à un truc, du coup, drôle. Intéressant, voilà, enfin intelligent. Ça marche. Toute personnalité du coup alors? Surtout drôle. Ah, drôle, okay. Drôle et qui s'énerve pas vite. Ah, tu okay. Vois, parce que vu que moi je m'énerve vite, faut pas égaliser sur ce domaine-là. Ah, ouais, d'accord. Okay. Et toi, du coup? Doux, attentionné, drôle. Ok, drôle aussi. Hein. Ouais, là, c'est important. C'est la base drôle. Ouais, c'est important. C'est un homme ennuyant quand même. Hein. Ouais, c'est dur. C'est ça. Intérieurement, tu veux qu'il soit comment? L'intérieur. Courageuse, qui aime travail. C'est tout. Pas de personne drôle, intelligent. Ah ouais, faut qu'il soit drôle, qu'il soit gentil, attentionné. Ok. Quoi d'autre? Fidèle. Ouais. Ouais, logique. Ouais, simple, ouais, logique. Comment ça? Au niveau de la personnalité, un truc qui t'attire particulièrement? Pareil, l'humour, le fait qu'on fasse attention à moi aussi, attentionné. Normal. Et puis, je suis pas quelqu'un qui aime bien, ouais, rigoler. Voilà, rigoler quoi? Rigole. Hein. Comment du coup? Drôle. Drôle, funny, ouais. Ok. Que drôle, pas que ça. Genre, si drôle, c'est bon ouais, pour toi. Ouais, drôle, c'est grave bien. Je veux que ce soit un mec drôle qui me fasse rire. Assez intelligent, enfin. Et pas forcément dans la norme. Quelqu'un qui qui se démarque un peu. D'accord, quelqu'un d'original. Ouais, voilà. Mais dans quoi original? Parce que c'est quoi? Genre dans son humour, dans quoi? Dans sa personnalité? Personnalité, ouais. Ok, d'accord. Intérieurement, tu veux qu'il soit comment? Bah, gentil déjà. Gentil, d'accord. Quoi d'autre? Attentionné. Ok. Et drôle, drôle, non? Ouais, drôle aussi. Drôle. Ouais. Et quoi d'autre encore? C'est tout. Ouais. Ok, bon, en tout cas, merci à toi. De rien. C'est simple, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Désolé parce que ça bouge beaucoup là. Ouais. Vous avez envie de vomir, mais c'est pas grave.
partagez, commentez et dites-nous aussi. Dans commentaire, bah du coup les filles, bah c'est quoi votre type d'homme, physiquement et intérieurement? Bien sûr, merci à vous. Voilà. Bye. Ciao.